Tu dois installer le mode qui te montre tous les objectifs de quête en même temps sur la carte, ça change rien au jeu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour moi, ce serait cool d'avoir plusieurs objectifs, tu vois, genre les principaux et les secondaires en même temps, tu vois. Parce que là, tu peux activer qu'un seul truc à la fois, soit une quête principale, soit une quête secondaire, soit une quête chasseur, et c'est chiant. Je vais peut-être la faire, ouais. Level 10, c'est trop haut pour toi, surtout en marche de la mort. Let's try. Let's try this shit. Ah ouais, il y a une tête de mort, je peux mettre la tête de mort. Oh, je vous avais raison, genre en haut à droite là, j'ai une tête de mort. J'ai pas fait attention. Mais pourquoi j'ai pas de tête de mort ici? Ah ouais. Donc celle-ci c'est méga tête de la mort, ouais d'accord. Ouais, ça c'est... Ah oui, d'accord. Ah oui... Ah oui, les filles de fiches à lire, ouais, merci. Alors, deuxième carte d'Edwin Greloff. Putain, verroulé. J'ai perdu la première carte préparée à l'intention du professeur Atimstein lors d'une partie de Gwyns. Me voilà condamné à retourner au camp de base près de la crypte sous la colline de Torsechin pour tout recommencer. Dans l'intervalle, j'indiquerai les autres sites intéressants sur cette carte. Edwin Greloff, assistant d'histoire naturelle de l'Académie d'Oxenfurt. Ok. Et sa première carte est de... Ah, c'est des cartes de Gwyns, c'est cool ça. Recruté par le professeur Svalko Atimstein pour intégrer son groupe de recherche, j'ai entrepris l'étude de l'école du Griffon des Sorceleurs. Mon point de départ, la crypte située sous la colline de Torsechin. Selon le professeur, on y aurait trouvé la dernière demeure d'un griffon et il souhaita trouver le moyen d'y accéder. J'ai rapidement découvert plusieurs sites dignes d'intérêt marqués à l'aide du symbole figurant sur le médaillon du sorceleur de l'école du Griffon. J'ai indiqué les positions sur cette carte. Ok, donc là du coup j'ai deux nouvelles quêtes, c'est ça? Ok. Rip, tête de mort. Et l'autre? Tête de mort. Ok, ladies and gentlemen, we are so damn pété. Ah ouais, d'accord, ouais. Ok. Niveau 18. Ouais, c'est mort. Non, c'est trop high level. En fait, dude, genre, je suis vraiment bas level, hein. C'est ouf, hein. Je suis vraiment bas level. Genre, celle-ci, je peux la faire, je crois. Allez, merci. Celle-ci, elle est pas genre compliquée. Et en plus, c'est là où on va. C'est par là où on va, donc c'est nickel. Go la faire. Go la faire vite. Ah ouais, j'en ai... Ah ouais, mais en fait, elle m'a donné 10 000 quêtes, en fait. Ah ouais, non mais mec, y a tellement de quêtes, c'est ouf. J'espère que vous avez le temps, les gars, parce que honnêtement, on a de quoi faire. Mon mari est retourné vers la sortie. Non, c'était à gauche, là par contre. Omelette, suis la route, s'il te plaît, aussi. Je t'ai envoyé ce qu'il faut sur Twitter, tu checkeras. Ouais, ça marche, merci beaucoup, je suis bien. Merci infiniment. J'irai checker, ouais, à la fin du live. Je suis en difficulté max, ouais, que ce soit sur le Gwent ou sur le jeu, ouais. Je suis en hardcore dans les deux. J'ai bien fait le jeu, là, ce jeu est incroyable. Là ça risque de pixeliser un petit peu les amis. Trop de détails à l'écran, trop d'arbres. Du coup ça va pixeliser un chouïa, ok c'est normal. Cours, c'est quoi cette merde? What? Wow, Ahmed. Wow. Ah, faut d'abord que je la batte avant d'avoir son truc, ce truc dans le... Attends, comment elle s'appelle? Attends, save. Eh les amis, rappelez-moi de save, hein, n'oubliez pas. Moins vite. Normal que tu aies toujours la tête de griffon, ouais. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, en fait, la tête de griffon, elle a un bonus, hein. Genre, le fait d'avoir la tête de griffon attachée, ouais, c'est qu'en fait, voilà, en gros, je gagne 5% d'expérience en plus, tu vois, quand j'ai la tête de griffon. Donc, oui, genre, les trucs attachés, c'est un petit bonus. Ah merde, c'est... Attends. C'est où? Oh non, il est pile-poil dessus, cet enculé. Plus vite.
Ah, il est dessus, c'est mort. Zéro dégâts. Allez, yes. On se rappelle, hein. On se rappelle, les gars. Go fast. C'est pas la peine. J'ai mis un coup, ça sert à rien fait, tu vois. Ah ouais, il est tanky à ce fuck, nous. En même temps, il a été deux morts, donc c'est même pas la peine. C'est Thanos. Ah, les environnements sont vraiment jolis, hein. C'est ouf. Non, c'est joli. C'est proper. Tu as une sacoche maintenant? Ah oui, je l'avais acheté, la sacoche. Welcome to you, boy. My boy. Ok, alors, mais du coup, maintenant, est-ce que j'ai un inventaire de Ablette ou pas? Comment on le voit, l'inventaire d'Ablette? Genre, c'est où l'inventaire d'Ablette, chat? Ah, c'est ça? Oh, ouais, je vais sauvegarder quand même. Yes. Merci beaucoup, Master Love, pour le sub. Welcome. Il s'appelle Master Love. On aura tout vu. Merci, Vincent, pour les 36 mois, le frérot. Merci beaucoup, poteau. Merci Davidman pour les 48 mois, 4 putains d'années. Dude, merci infiniment. T'as augmenté le poids que tu peux porter, c'est allez. Tout. Bah non, je suis toujours à 60, regarde. Ah non, je suis à 90. Ah. Ok, d'accord. En fait, oui, en fait, c'est mon poids à moi, en fait. En fait, je cumule le... Je cumule les trucs, ok, d'accord. Dégustation d'El Ghoul, schéma Edorian, ok. Épée Vicavoro. Give me the loot, boy. Ah, bon, on y va. Qui sait, vous allez peut-être devenir amis. Je veux juste lui parler de Ciri. Le reste, je m'en fiche. Ouais, c'est ça, Marius, ouais. Ouais, je pensais qu'il y avait un inventaire pour... C'est un peu comme dans Kingdom Come. Dans Kingdom Come, tu sais, t'avais un inventaire à... Elle a gone. Dans Kingdom Come, t'avais l'inventaire du cheval et ton inventaire à toi. Du coup, tu pouvais transvaser, tu sais, les inventaires. Envoyer des trucs dans vers ton cheval et vice-versa, quoi. Épée longue de Velen. Enfin, je m'inscris Orc. Ok. J'ai de chasse de prime. Oh. Attends. Wait a second. Ah, c'est nul. 40 d'armure. Ah, c'est nul. That's much better. T'as genre dû stocker ça, j'ai oublié de stocker ça. Ça passe pas très long. Est-ce que j'ai meilleure épée ou pas? Non. Prends son insta quand t'as fini la quête. La chasse sauvage. Quoi? Des cavaliers fantômes? Mais je pensais qu'ils n'existaient pas. Admire les cavaliers inexistants alors. Ils ont un navigateur avec eux. C'est le mage, je crois, non? Un quoi? Tu peux nous téléporter de l'autre côté? Je préférerais nous téléporter en lieu sûr. Tu veux vraiment les suivre? Oui, dépêche-toi. Oh. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Attends. Viens. Chut. Suis-moi. Attends, ouais. Ouais, viens, mais attends. T'es mignonne, toi. Yes, j'arrive. Ah,
Wow. Elle a des pop. Geralt. Ok. Oh, non mais je l'ai pas tué, mais c'est ouf qu'en fait que le... Ok. C'est ouf qu'en fait que les... Que la mission en fait change comme ça. Attendez, mais ouais, mais ouais, mais non, mais il est du loot, c'est sûr, il est du loot. Attendez. Lila Deag. Lila... Geralt. Ouais, bon, ça va, j'arrive. Attendez, vous êtes chiant. Je loot d'abord. Il est forcément un truc caché. Oh mon gars. Ah, ça a pété. Oh shit. Non. Mais il est con, éteint. Merci à toi pour le sub. Bienvenue dans la charte. Ah ouais, c'est bien fait, putain. Dude. C'est incroyablement bien fait. Incroyablement bien fait. Non merde. Je peux passer par là ou pas? Putain, on peut pas. Bravo! Ouais, en fait, quand du coup. Éteins, s'il te plaît, merci. Œil de monstre. Ah, je prends des dégâts dans le gaz. Ah, ok. Je savais pas. Non, je me casse. Ils sont beaucoup trop chauds. Wow. Non, ils me suivent. Wow. Dude. Merde. Damn. Ils sont vraiment, vraiment techniques. Dude. Plus absurde mort, ouais. Ils sont vraiment, vraiment techniques. Oh non, on recommence tout là. C'est relou. Attends, j'arrive vite fait. C'est quoi, je vais la suivre directement. Ah ouais, mais du coup ça change tout en fait. Noyeur. Noyeur. Il compte les nécrophages. J'en ai ou pas?
Merci pour le ressort. Mec, je coupe même les je coupe même les pierres, je les coupe pas, hein, j'ai coupé cette pierre. Regarde, je la pousse, mec, j'ai pas le temps. Tu crois qu'on a, tu crois qu'on joue? Arbalète, vous évitez les ennemis solo, vous savez avoir pour vous défendre contre vos adversaires. Ah ouais, mais l'arbalète sous l'eau, lutte contre les bêtes améliorées. Oh, stylé. Ah ouais, mais sous l'eau, l'arbalète, elle blague pas, hein. En l'air, elle fait rien, mais sous l'eau, c'est un harpon, le truc. Ah ouais, c'est fucking OP. Dude, je me dis, mais attends, mais what, mais l'arbalète, c'est nul. Ah non, non, non. C'est OP as fuck. Ah oui, d'accord. En fait, là, vous voyez comment le jeu, est ouf en vérité sous la grotte. Vous voyez comment c'est beau, comment ça pixelise pas. C'est ça le problème, c'est que quand il y a trop de détails sur le jeu. Ah, des olives. What? Quand il y a trop de détails sur le jeu, en fait, genre Twitch, il n'aime pas. Mais là, vous voyez, comme il n'y a pas beaucoup de détails, c'est une grotte, c'est juste une petite grotte, tu vois. Enfin, une grotte. Bah, du coup, il n'y a pas de problème. Ah oui, j'ai ouf, tu save, merci, ouais. Tax, merci beaucoup. Ah, je suis... Attends, mais... Ah, ils étaient en haut, j'étais là-bas tout à l'heure, ok. Attends, je vais voir ce qu'il y a en bas, par contre. C'est pas les 900p aussi qui corrige... Ah oui, non, mais les deux, en fait. Les deux corrigent le problème. Mais surtout, en fait, le bitrate, si tu veux, le bitrate n'a pas changé entre 900p et 1080p. C'est juste que comme c'est une résolution en dessous, bah, forcément, t'as plus de... Comment dire T'as plus de données pour afficher des informations visuelles, tu vois. Mais dans tous les cas, ouais, c'est baisé, quoi. Oh non... Oh non, c'est 10 000. Non mais, vas-y, j'ai parlé d'un moment aussi. Get the fuck out of here. Putain, j'ai une verre. Oh, omelette. Je suis en extrême. Putain, je suis en extrême. Je suis genre le niveau de difficulté le plus haut en fait. Tu vois. C'est pour ça qu'ils me font extrêmement mal, tu vois. Genre, je sais même pas imaginer quand je vais rencontrer un boss ou quoi. Oh, je vais mettre un coup, je vais mourir. Ça va être du Sekiro-like, quoi. Ouais, je save, c'est vrai, merci. C'est ça, c'est la végétation qui fout la merde. Un peu comme dans Arma, un peu comme dans tous ces jeux, c'est genre, dès qu'il y a un peu de végétation, c'est le merdier, quoi. Yes. Merci beaucoup, gros moche. Welcome to you. Ah, mais c'est là où j'étais là. Alors, éteins. Et c'est là où j'étais là, en fait. Oui. Kera. Ah, ok. Faut que je la retrouve quand même, en fait. Ok, ok. Elle est par là-bas, je crois, non? Ouais, elle est là, ok. Dommage qu'on puisse pas changer la volée, c'est avec 1, 2, 3, 4 les items, genre arbalète. Salut! Merci beaucoup, Gormash, merci beaucoup pour ton sub, bienvenue à toi, frérot. Welcome, my man. Ah.
Il en sort de partout. Utilise un signe ou une bombe, je sais pas moi. Du calme, ce ne sont que des rats. Lila, qu'est-ce que tu rajoutes? Lila... Gérald! C'est une idée des maladies qu'il propage? J'abuse aussi, c'est des rats, hein, meuf. Hein. Et Gérald donne toute sa patate pour juste des rats. C'est bon, ils sont morts. Il y en a encore ? Tu as une idée des maladies qui se propagent ? Putain, mais meurs, non ? Ah, c'est l'hydra qu'il faut détruire. Putain, j'ai jeté ça sur des... Ça marche aussi. Merci. Tu as peur des rats? Tu aurais pu les éliminer d'un simple sort. Tu abuses. D'accord, n'en parlons plus. Dis-moi plutôt ce qui t'est arrivé. Il y a quelque chose ici qui perturbe la téléportation. J'ignore comment ils ont réussi à passer de l'autre côté sans encombre. La magie de téléportation de la chasse sauvage est particulière. Ils utilisent des mages spécialisés, des navigateurs. Je me fiche de savoir le pourquoi du comment. Dangereux. Je prendrai plus un tel risque, c'est tout. Allons-y. La chasse sauvage a de l'avance sur nous. Mais on a encore une chance. Tu as perdu la tête? Nous devons partir d'ici tout de suite. Welcome.